Nous allons créer un premier projet. Si le moteur Unreal Engine 4 a bien été installé, on doit retrouver cette icône sur votre bureau. Il suffit de sélectionner cette icône pour ouvrir le moteur de jeu Unreal Engine 4 et indirectement l'éditeur qui va nous permettre de construire notre premier jeu. Une fois que le menu principal est présent, on peut choisir la version du moteur que l'on veut utiliser à cet endroit. Alors, je vais utiliser la dernière version Unreal Engine 4.2.1. Je lance l'éditeur Unreal Engine. La première chose que je dois faire, c'est soit je crée un nouveau projet, soit j'ouvre un projet existant. Alors, les projets existants se trouvent à cet endroit et le projet que vous avez éventuellement créé au préalable se trouverait ici dans mi-projet. Mais dans notre cas, nous voulons créer un tout nouveau projet, donc je clique sur New Projet. Avec cette fenêtre, on a le choix avec différents projets qui sont préfabriqués. Ici, on aurait un projet complètement vide, avec ici du code C++. Et ensuite, on a d'autres projets, donc un projet à la first person, soit avec du codage C++, soit avec l'utilisation des blueprints. Donc du Visual Script de Unreal Engine 4. Alors là, on a différents donc templates, ce qui facilite la tâche du programmeur lorsque l'on commence un nouveau jeu. Par exemple, ici, vous avez le type de jeu avec un véhicule dans le jeu. Pour notre premier projet, nous allons utiliser cette solution d'un projet vide. Ensuite, on a ici ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de ce projet. C'est du contenu qui est donc préfabriqué. Ensuite, ici, on va donner le nom du projet. Donc on va appeler ça Me First Project. Si l'on clique à cet endroit, on peut voir le chemin où le projet va être enregistré. Donc le projet se trouve sur ce chemin ici. Ensuite, on peut faire créer le projet. Dans le cas des toutes nouvelles versions de Unreal Engine 4, donc les versions 4.12 par exemple, eh bien, la fenêtre de lancement se présente d'une façon complètement différente. Vous devriez aller dans Bibliothèque, et ici vous avez différentes versions que l'on peut lancer. Donc vous cliquez ici sur Lancer pour voir apparaître un peu la même fenêtre en définitive. Voilà, on retrouve donc la même fenêtre. Alors ici, on fait de nouveau New Project. On choisit donc ici un template. Alors, dans le cas de la suite du cours, on a choisi un template vierge du type Blueprint. Donc, vous donnez le nom de votre projet à cet endroit et vous retrouvez ici le chemin du projet. Ensuite, vous faites Créer projet. Une fois que notre éditeur est ouvert, on voit apparaître un premier projet qui est constitué ici, vous voyez, d'un sol, d'une table et de deux chaises, ainsi que ici d'une décoration qui se trouve sur la table. On peut découper l'éditeur Unreal Engine 4 en 7 zones. La zone 1 serait la zone où se trouve la barre des menus. La zone 2 est ce que l'on appelle la barre des outils. La zone 3 est la partie où l'on a différents modes de construction. La partie 4 serait la librairie ou l'explorateur avec le contenu du jeu. La partie 5 est ce que l'on appelle le viewport. La partie 6 est la partie où se trouvent tous les composants de la scène. Et la partie 7 est le détail des différents composants. Intéressons-nous en premier à la zone viewport. C'est la zone qui se trouve donc à cet endroit. Et regardons comment on peut manipuler cette scène.
il faut déjà faire la différence entre la manipulation de la caméra dans cette scène et la manipulation d'un objet que l'on sélectionne au préalable. Pour manipuler la caméra virtuelle, on utilise les boutons de la souris. Alors si j'utilise le bouton gauche de la souris et que je déplace la souris sur ma table, vous voyez, je peux obtenir un déplacement avant-arrière. Avec le bouton droit, je vais pouvoir faire un pivotement de la caméra à droite et à gauche. Ensuite, si j'appuie sur les deux boutons en même temps, je peux monter ou descendre dans la scène. Alors, il faut faire différents tests pour voir la réaction de ces différents boutons. La molette de la souris nous permet aussi de faire un zoom avant et un zoom arrière. Si l'on désire par exemple se focaliser sur un composant de la scène, eh bien je sélectionne le composant, alors je sélectionne avec le bouton gauche de la souris cette chaise et ensuite j'appuie sur la touche F du clavier pour se focaliser sur cet objet. Je peux maintenant tourner autour de cet objet en utilisant la touche Alternate et le bouton gauche de la souris. Ceci est quand même très utile lorsque vous allez créer une nouvelle scène. Regardons maintenant comment l'on peut manipuler un objet de la scène. Alors je sélectionne par exemple la table avec le bouton gauche de la souris. À ce moment-là, on voit apparaître un système d'axes X, Y et Z que l'on retrouve donc en bas ici de la fenêtre. Pour déplacer cet objet, il suffit simplement de sélectionner par exemple l'axe des X et vous voyez, vous pouvez donc déplacer le composant très simplement. Alors, première constatation, au moment où je déplace la table, on voit qu'elle est aimantée sur une grille virtuelle ou bien snappée. Pour désélectionner cette grille, on va à cet endroit et on désélectionne ici la grille, ce qui permet de déplacer l'objet d'une façon beaucoup plus souple. On peut resélectionner la grille et ensuite ici on va choisir le pas de grille. Alors si je mets 50, je vais me déplacer de 50 unités en 50 unités. On vient de voir le déplacement de la table. On peut aussi faire une rotation de cette table en utilisant l'outil de rotation en cliquant sur cette icône ici. À ce moment-là, vous avez ici un outil de rotation qui vous permet de faire des rotations suivant les trois axes. Alors ici, par exemple, je fais une rotation suivant un axe. Ici aussi, on est snappé sur une grille. On peut donc faire aussi une rotation suivant un autre axe. Donc on peut faire les rotations suivant les trois axes X, Y et Z. Si l'on veut désélectionner le snap, il suffit de cliquer sur cette icône ici. Le pas est défini à cet endroit. On peut aussi changer l'échelle d'un objet en cliquant sur cette icône qui se trouve ici. Alors là, on a de nouveau un système à trois axes. Donc on peut déformer l'objet ou changer l'échelle de l'objet suivant un axe en sélectionnant par exemple cet axe ou bien un autre axe ou l'axe vers le haut. Par contre, si on vient au centre ici, on va changer l'échelle suivant les trois axes. De la même façon, ici, on peut sélectionner ou désélectionner le changement d'échelle par rapport à la grille. On peut aussi changer le pas de l'échelle à cet endroit. Ici, on a donc les trois outils: déplacement, rotation, changement d'échelle. Ces trois outils ont des raccourcis clavier. Pour le déplacement, c'est la touche W. Pour la rotation, c'est la touche E du clavier.
Et pour le changement d'échelle, c'est la touche R du clavier. Une petite chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au moment où vous déplacez votre curseur sur une icône, par exemple sur l'icône déplacement, on voit apparaître ici l'information qui concerne cette icône. Donc sélectionner, sélectionner et translater l'objet. Touche W. Une chose importante à connaître est la possibilité de revenir en arrière après une action. Imaginons qu'on change l'échelle de cette table et que l'on constate que l'on s'est trompé. Eh bien, on peut aller à cet endroit et faire Edit Undo Scale Actor. Donc, on revient en arrière. On a un raccourci clavier qui est Ctrl Z. Avec l'icône qui se trouve ici, on va agir sur la vitesse de la caméra. Alors, je vais mettre 1 pour faire un premier test. Alors, pour voir le fonctionnement de cette caméra, on va pratiquer différemment. Cette fois-ci, je sélectionne la scène avec le bouton gauche et j'appuie par exemple sur la touche W du clavier. Vous voyez, je me déplace en avant. Avec la touche S, je vais me déplacer en arrière. Avec la touche A, je vais aller sur la droite et avec la touche D, sur la gauche. Donc on peut changer ici la vitesse de la caméra. Alors par défaut, on met 4. Je resélectionne avec le bouton gauche de la souris. Et voyez, les déplacements se font beaucoup plus rapidement. Pour finir avec cette vidéo, il faut bien comprendre que ici, nous venons de voir le déplacement de la caméra vi virtuelle dans l'éditeur et le déplacement et la modification d'un objet dans l'éditeur. Nous n'avons pas vu le mode jeu. Pour voir le mode jeu, il faudrait appuyer sur l'icône Play pour entrer en mode jeu. À ce moment-là, on va utiliser de nouveau les touches W pour avancer, S pour aller en arrière, A pour aller à droite, D pour aller à gauche. On peut, avec la souris, aussi modifier le système de visualisation. Donc là, nous sommes en mode jeu. Pour sortir du mode jeu, il suffit d'appuyer sur la touche Escape. Merci pour votre suivi.